Bonsoir, bonjour mes petits humains, nous sommes dans cette vidéo d'Animal Crossing et aujourd'hui, on va... à la base j'avais prévu de... Oh, il y a beaucoup de courriers. Oh, de maman. Ce matin, ton père a voulu me faire une surprise. Il m'a acheté des bugnes en croyant choisir mes gâteaux préférés. Mais en fait, ce sont les siens. Bisous. Déjà des joyeux décorateurs, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ta pièce, ça vaut 8 000, tu sais quoi? Écoute la pièce témoin, elle a un thème traditionnel, ça s'appelle. Passe la voir. D'accord, merci. Et relevé. Oh, relevé bancaire. Tu as gagné 18 clochettes. On a reçu 18 clochettes en plus à la banque. C'est-à-dire que si je fais un arrêt de 3 ans, ben j'aurai un petit peu plus de clochettes, je suppose. Fantastique! J'ai obtenu la pelle dorée, sa valeur est inestimable. Très ironique. Alors à la base, je voulais changer de courrier. Enfin non, pas de courrier, je voulais dire. Je voulais dire autre chose, mais bon. Je vais changer d'heure, mais je me suis rappelé que ça, c'est les heures parfaites. Bon, parce que maintenant, on est passé au moment d'été pour avoir des requins. Et je vous avoue que tout à l'heure, je pense que je l'aurais montré, mais je me suis raté. Faut vraiment avoir un timing parfait avec les requins. Et j'en ai croisé un en essayant de faire tout le bazar des codes de triche. D'ailleurs, j'ai jamais réussi, hein, remarque. Oh, une luciole. Attends, on va dormir plus tard. J'aimerais voir s'il y a un requin. Un requin! Je veux un requin. Salut toi, comment ça va? Le seul truc qui a marché, c'est de retirer les mauvaises herbes. Et aussi le truc au tag au face, mais je l'ai enlevé. Ah, oh, bonjour, bonjour, tu te balades toi aussi? Une journée à Selton, sans le moindre événement, c'est un peu comme un super-héros sans cape. Sympatoche, mais il manque quelque chose. Bon, on va le récupérer tout de suite. Oh, reviens! J'ai dit reviens! Voilà. T'appelles Luciole, tu n'auras plus jamais besoin de lampe torche. Maintenant, elle s'est éteinte. Toujours pas la trace de... Non. D'ailleurs, cette pelle, ben... Cette pelle, on peut la réenterrer pour en faire une autre, en fait. Oh, un fossile! Lise un peu! T'as déterré un fossile? Eh mais, wait, notre maison, elle s'est agrandie, il faudrait qu'on aille voir quand même. Qu'est-ce qu'il fait déjà là-bas, elle? C'était... Bon, vu la taille, j'ai envie quand même de le prendre. Mais j'ai rien fait, je me suis juste raté. Calme-toi. Oh. Ok. Petit poisson, est-ce que tu vois correctement? Est-ce que tu as une bonne vision? Non, parce que la nourriture est toujours tout près de toi. Voilà, elle est juste à ta droite. Tu recules, tu regardes et tu prends. Désolé, je suis un petit peu plus près du ventilateur, mais bon, maintenant le... J'ai de nouveau des écouteurs pour pouvoir voir le... Oh, un hippocampe. Bah, mais au moins, j'ai de nouveau des écouteurs, donc un son de meilleure qualité. Un son de meilleure qualité. Ça avait manqué. Moi, je vais essayer de récupérer un requin. Comme au début de la vidéo sur la version américaine. Non, j'ai pas déjà commencé à voir le live, je dois pas... Ouais, bon, d'accord, j'ai oublié de brancher le disque dur. Mais bon. D'accord, oui. Bon, notre maison. Bon, ça fait pas très grand, mais c'est déjà bien. Sûr qu'on peut trouver un requin. Je suis sûr. Bon, on va passer par là et après on passera par en haut pour aller voir chez... Pour aller voir chez Nook. Enfin non, on ira d'abord à la mairie, puis ensuite chez Nook, puis ensuite... Non. Et on a quoi dans nos poches?
Ah mais oui, peut-être mettre le CD, non, parce qu'il va un petit peu m'encombrer le CD. Non, non. Je me demande si les autres codes ils marchaient, mais bon, j'ai pas très envie de les utiliser. C'était quoi celui-là? Ouais. D'accord. Bon. Du coup, j'ai... ouais. Le coup de l'appel, celle-là, on va l'enterrer. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Mais au moins, c'est fait. C'est au cas où si jamais je la perds. Je suppose. Ok, je veux voir un requin, moi. Moi, je veux un requin. Mais non, je veux pas de toi. Moi, je veux un requin. Comme avant. J'ai même pas réussi à l'attraper avant. Ah, il a pas froid aux yeux, lui. Comment ça se fait? Là, je suis curieux, là. Le poisson, il a pas peur. C'est une ordure? Effectivement, c'est une ordure. Tellement de violence. Et c'est à ce moment-là, je trouve un requin, mais je le rate. Et oh, moustique! Non, pas dans le jeu, dans la réalité. Dans la réalité. Dans la réalité. Ah, avec un peu de chance, ça peut. Non, vu la taille, ça m'étonnerait que ça soit. Ça m'étonnerait que ça soit. Une dorade? En plus, les dorades, elles valent cher, il me semble. Ça m'étonnerait que ce soit une dorade. Je vois rien! Bah non, c'était juste un bar. Le bar Saba. Oui. Oh! Salut Pauline! Coucou mignon, hein, je t'ai pas vu depuis le temps passé aujourd'hui. Il y a une question que je me pose depuis un moment et ça me commence vraiment à me tracasser. Il y a pas mal de gens qui viennent nous rendre visite à Selton, pas vrai? Non. Je ne parle pas ceux qui viennent d'autres. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'autres villes. Je parle de ces gens qui se montrent une fois de temps en temps et repartent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Eh bien, je me demande d'où ils viennent et ce qu'ils font le reste de leur temps. Ah, genre kéké, truc comme ça. Ouais, c'est vrai que. Moi, quand il s'agit de déco, je donnerais n'importe quoi pour un meuble rétro. C'est justement ce que je me disais, que ma maison a besoin. Je crois que tu pourrais me donner un meuble rétro. Ouais, je vais faire ok, mais je pourrais pas l'avoir en fait. Bonjour. Tu n'aurais pas vu la clé de ma maison par hasard? Encore? J'ai essayé beaucoup de temps. Si tu vois ma clé, surtout. Toujours tomber dans l'eau. Les gens, soyez intelligents, mettez-les sous les paillassons. C'est tellement fait, du coup, faut plus jamais le faire. Mais non, ne faites pas ça, arrêtez. Oh, salut. Quoi? Il est déjà 20h. Je me disais aussi, j'ai déjà les crocs. Quand je dois aller à la mairie, j'essaie toujours de passer pendant qu'Opélie est de service. Parce que, Elisabeth me fait un peu peur.
Je te comprends, mec. Je te comprends. Alors, hourra, bonne nouvelle! Journée fidélité le 10 juin a gagné, venu gagner des tas de points. Ah, c'est le jour où on peut gagner énormément. Fête des mères, nous souhaitons une bonne fête à tous les mamans. Jeune anniversaire, nous fêtons un anniversaire à Perle. Ah bah purée, je lui rate aussi son anniversaire à elle. J'ai pas joué depuis longtemps en fait. Oh, salut! Ah Benjamin, tu sais ce qu'on raconte sur toi? Tous ces méchants ragots, ces allusions racines. Même si je n'en crois rien, il paraît que tu as un poisson scorpion et que tu m'as rien dit. C'est vrai, n'est-ce pas? Je lis sur ton visage. Bon, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te l'acheter. Qu'en dis-tu? Tu veux bien te séparer de ton poisson? À combien? Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Tout est négociable, pas vrai? Voyons voir, que dirais-tu de 510 clochettes? Ça me va. Génial, merci, voilà, pour toi, 510 clochettes. Nous n'aurons pas besoin de rendre la monnaie. Et les rumeurs contiennent toujours un fond de vérité. Je suppose. D'accord, c'est toujours ça les touches. J'avais essayé d'échanger pour je sais pas, hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais prévu d'aller là-bas. Ou là-haut. Ou là-bas. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Ah, la belle Opélie. La poubelle, le lundi et le jeudi. On est quel jour? On est mercredi. Ben, comme la réalité. Avec 20 heures de plus. En fait, je crois que j'ai pas changé l'heure à la fin de la dernière partie. Enfin, dernier tournage. Enfin, aussi dernière partie sur le coup. Faut vraiment avoir pas de chance pour qu'il y ait des abeilles là-dedans. Ouais, c'est bon, je suis un petit peu chanceux. Ouais, c'est bon, je suis un petit peu chanceux. Je les vois pas! Je les vois pas! Genius! Just genius! Oh, tu t'es fait piquer par des abeilles! Qui c'est qui va pouvoir acheter un truc chez Tom Nook? Mais c'est moi. Bon! Notre très cher, notre très cher. Chien, chien, chaussette. Oh oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quoi de neuf? Oh, je crois que je n'ai vu personne passer ici. Ah, désolé, pardon. D'accord. Mais encore, oui, salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, mais je voulais pas faire quoi de neuf. Oui. On dirait moi en cours. Quoi d'objet trouvé? Nous avons trouvé quelque chose d'objet trouvé, enfin 10 objets. Allez voir ce qu'il y a. Une boîte, une table Mahjong, un lit moderne. Oh, un lit moderne! Et une tenue fable. Et du papier. Du papier cœur! Mais j'ai plus de place. Calamar, c'est pas. Je sais pas si j'ai déjà donné. Ouais, il me semble. Calamar, j'ai déjà donné. Bon, bah, on va pouvoir faire un petit tour chez Tom Nook pour terminer. Bon, c'est pas sur cette vidéo qu'on va tout vendre. Hein. Ça, je l'avoue. Mais bon. Oh! Oh, la taille du truc! Un gros poisson. On sait jamais, ça nous fait un petit pactole en plus. Mais non, j'ai dit petit pactole. Pactole. Donnez-moi des. Mais qu'est-ce que tu. Mais non, non. J'ai fait le tour pour rien, tu vas me dire. Allez viens. Allez, viens, s'il te plaît. Ok, là, je rage quitte. Hein. Non, non. Clairement, non.
Je ne fais pas équipe avec des gens comme ça. Bon bah sur ce, moi je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien, les petits humains.